Est-ce que vous avez qui a fait bilan jeudi à la? Est-ce que vous avez qui a fait bilan sac passé dans Port-au-Prince jeudi 29 février 2024 là? Est-ce que vous avez qui a fait? Parce que c'était un Port-au-Prince tête en bas, devant derrière, l'envers en droite. C'était un Port-au-Prince assiégé de bandits. Mais bilan encore plus salé, le nous connaît en quantité sous-commissariat en dans pays a sous-commissariat ça yo yo té véritable cible bandi yo. Par exemple, gagné sous-commissariat portail de Léogane boulé, gagné sous-commissariat marché Salomon boulé, sous-commissariat de Bon Repos boulé Pirède, pour ne citer ça yo seulement. Et bilan n'a pas campé là. Parce que pour Pipiti, tu as trois policiers qui mourent. Il y a deux policières. Et dans Bon Repos, bah, elle n'a pas de douce du tout. Dans l'émission, ça. Il bah, faut attendre des policiers ça, qui désespérément t'a demandé aide. C'est parce que même ça qui t'est passé, village de Dieu. Les policiers ont demandé aide. Ils ont demandé backup. Ils ont demandé débarquement. Ils ont demandé renfort. Malheureusement, renfort n'a jamais venu. Jusqu'à ce que bandit arrive, fusé plusieurs policiers. Dans l'émission, ça, mesdames, messieurs, il y a une bonne possibilité pour qu'on tire l'ossier. Et je me suppose, ouais, image, vous t'étendez ça qui t'a passé dans la rue. Hein? Ça qui a toujours arrivé. Nous avons quelques images, nous faut revoir quelques bagailles. Parce que, nous disons, c'était un jeudi noir. Vous mettez titré jeudi noir à Port-au-Prince. Selon information nous gagnons, il y a pour petit 15 personnes qui recevaient balle qui t'a pris soin à l'hôpital. Mon avenue Christophe. Moun ba peu de choses. Moun sa ote obligé à courir quitter la caillou. Parti dans toute direction, pas même kon kote ou pralé. Parce que bandi ote menacé, yo pral rentrer dans secteur yo. Bandi ote menacé, yo pral rentrer dans zone sa yo. Et population li même, pour sauver pou li, li te obligé courir. La gepiel, pas même kon kote ou pralé. Ariel Henry nous connaît qui annonce le pral organiser élection. Ariel dit 31 août. 2025, c'est le ça. Li pral faire élection dans pays ya, mesdames messieurs. Donc en pile moun a posé question avec qui structure, avec qui moyen, avec qui ressources. Le n'a gardé ça qu'a fait à terre, pas gen rien qui pouvait vraiment go démarche qu'a fait pour organisation élection en Haïti. Et maintenant ça André Michel nous connaît qui c'est Thibaut Beaupouvoir. André Michel actuellement là qui c'est bras droit Ariel Henry, qui c'est un nom qui plus important pour Ariel Henry. Songez André Michel, nous c'était déjà monde qui plus important dans opposition radicale qui t'a et qui t'a goumé contre Jovenel Moïse là. Eh ben André Michel il pas changé métier non. Nous c'est style toujours été un nom qui plus important pour Ariel Henry côté m'a pas la voix là. Eh ben mesdames messieurs, André Michel monsieur qui t'a participé dans et dans Magic 9 dans émission dans panel sous panel magique monsieur li affirmé ou bien confirmé position qu'elle toujours gagné pour le camper bon côté Ariel Henry et puis pour que force multinationale la débarque là en Haïti. Ariel Henry t'est trouvé au Kenya côté monsieur t'a rempli les formalités, monsieur t'a rempli les conditions, monsieur t'a rempli dernier détail sous déploiement force multinationale là en Haïti. Et dans l'émission ça, mesdames, messieurs, nous avons une possibilité hein, pour connaître pour, et comprendre ce qui a passé. Parce que et, la primature te dit nous, Ariel Henry à Kenya, c'est pour signer un document pour déploiement force multinationale. Mais il y a une source diplomatique qui dit que ce n'est pas vrai. Il y a une source diplomatique qui fait nous connaître. Ariel Henry débarqué à Kenya, mais c'est pour participer dans le sommet qui a fait sur l'environnement. Et d'ailleurs, c'est le ministre environnement même qui t'a recevoir Ariel Henry. Mesdames, messieurs, on va entrer la caillou. C'est avec un pile plaisir nous allons font parler, nous allons font bat bouche et barbecue parler, barbecue revendiquer tout ce que t'as fait là à Port-au-Prince. Monsieur dit on lance bataille là. Monsieur dit fois ça c'est bataille lié mais en songe plusieurs fois barbecue fait mon a répété cause révolution pour lui. Monsieur fait un pile monde prend engagement à parler de révolution, à dire fois ça, c'est bataille peuplier. Mais nous tout nous est ça qui passé. Barbecue toujours les monde dans farine, les jeunes ont moyen de sortir tête li. OK? Monsieur nique paraître,
Vous comprenez? Il dit qu'il va mener bataille. Après un certain temps, gros l'argent tombé et puis il va chercher M. Obawel. Ils font silence. Après un paquet de temps qu'on y a là, il vient parler tête, il vient parler. Et mes barbecues, monsieur, annoncer les couleurs. Monsieur dit actuellement là à terre. Monsieur dit, pas gen GPEP, pas gen G9. Monsieur dit, bataille qui lance là, son opération de yon net, Ariel Henry, mais tout était côté lié. Et nous tapons de gon audio ISO, côté ISO a dit oui lui-même, et nek chien méchant, yon a pas empêché avion voler. Vous comprenez? Et puis chaque monde bon côté pa yo, y a fond bagay. Nek yon dit fois ça. Il y a contrecarré Ariel Henry. Il y a contrecarré pouvoir. Et il dit, il va pouvoir lancer opération, aller chercher munitions. Mais moi-même, qui t'aime dire nous? Qui t'aime dire nous? Nous connaissons une position parmi eux, il y a toujours différent de port. Parce que moi, je m'a toujours dit ça pour me dire à Jean, pour me dire dans le niveau, pour me dire. Et comme ça, la situation pas me et moi-même, comme ça, m'a toujours dit bagage à Jean pour me dire l'IA. Songez, bandit, ça, on ne peut pas faire révolution. Songez ça. Parce que gaiment ti fon pa bay tête nous moi même avec nous doit entendre tout ça nous doit d'accord sur ça pays à côté lié là son bonne politique mette ensemble avec bandi au clagé pays à côté lié là comprenez bien c'est même j'aime te dit m'te prend position m'te dit on bonne nèg moi là dans opposition qu'a fait des propositions m'dit nèg ça yo pas dit pour faire des propositions m'dit c'est pas nèg ça yo qui t'a pour venir proposer nous jodi a m'dit pas nèg ça yo qui pour venir faire nous série de propositions. Nèg yo pa ta ka nan problème nan. Vous comprenez moi? C'est eux même qui nan problème nan, c'est eux même qui a craser briser, c'est eux même qui a faire défait et puis c'est eux même encore qui a vinn proposer solution. Problème nou gen là, situation pays là qui est-ce qui mette le? Et pas international là qui mette ensemble avec un bon politicien rad local, mette ensemble avec bandi ak sapatio qui ban nou réalité que gen là. Et puis kounya pour ces mêmes politiciens ça yo qui sous table négociation, c'est eux même qui a négocier, c'est eux même qui a fait partie de solution. Il est toujours dit son utopiliers, son bagage de non-sens. Mais c'est même j'aime continuer dire. OK? M'a continuer dire son bagage de non-sens. L'homme garde moi c'est bandi qui prend zam nan men yo, c'est eux même qui dit oui, yo va faire bataille révolution. Bandi ça au fin participer dans craser pays a. Bandi ça au qui fin participer dans touyer moun, torturer moun. Nous t'a regardé pendant toute semaine nan, nous t'a regardé une série de vidéos qui viral sur réseau côté n'a regardé un bon nèg. Bandi ak sapat, comment y a maltraité une série de moun, honnête citoyen, des citoyens paisibles, comment nèg sa yo a massacré yo, a maltraité yo, pour qui ça, pour propre l'argent yo encore. Kounya c'est même nèg sa aujourd'hui là, on qui prend la route, yo dit on va faire révolution. Non, moi ça très mal. OK? Pas oublier ce bon nèg que nous doit placer au panier de l'oubli. Son bon nèg l'histoire doit juger yo, son bon nèg la nation doit juger yo. Kounya jodi la, ou pral le peuple a pral obligé ranger au côté de nèg sa yo. Ou pa comprenn? Parce que m'te dit ça déjà. Moi te dit si toutefois nèg sa ou ta prend les amis, yo di ou pral goumen kont Ariel, peuple a camper dans do yo. Ah ben, c'est coupe ça nèg yo envie faire la. OK? Moi dit pour nous débarrasser nous de Ariel Henry. Tout coûte mais bon, mais fon pas naïf non plus. On va nèg qui fin participer dans craser pays a, qui fin participer dans mettre Ariel côté lié là tout. Faut nous dit ça. Parce que bon nèg n'a qu'a parler là, qu'a prendre là, yo participer dans mettre Ariel côté lié. Vous n'avez essayé même encore qu'a faire partie de solution, c'est eux même encore qu'a proposer une solution. Bon faut attendre barbecue Jimmy Cherizier qu'a bail détail, qu'a revendiquer tout ça qui fait jeudi 29 février 2024 là. Oh, en passant, à pas mon Aristide pas manifesté. Parce que nous chaque 29 février on manifester dans la rue. Hein? On connaît actuellement là on dans pouvoir, faut compte ça. Oui? La Valas dans pouvoir le jeudi là. C'est ça que la Valas pas fait manifestation, vous comprenez moi parce que si nous chaque 29 février on manifester pour y a dénoncer ça aurait les enlèvements Aristide. Parce qu'il dit son kidnapping qui était fait, c'est enlevé ou enlevé Aristide, donc pas jamais suspendre manifester. En dans de Jimmy Cherizier. Barbecue. Et je dis c'est 29 février 2024. Et nous-mêmes, nous vivons ensemble. Moi-même, Jimmy Cherizier Barbecue. Et je fais conférence sur ça et je prends la parole dans nous vivons ensemble. Et le pays arrive dans une situation côté de l'île, pas capable encore. Le pays n'a pas dirigé. Le pays n'a pas de dirigeant. Le pays a un grand goût. Le monde n'a pas sorti. Il y a une insécurité. Et le peuple arrive en côté fatigué, il y a bout. Parce que aujourd'hui, nous venons à Kafou, côté que nous-mêmes, groupe armé qui gagne des armes dans nous,
souvent qui ont marginalisé, fait quoi que c'est mm-hmm. nous-mêmes qui problème pays. C'est nous-mêmes qui empêchons pays en marché. Je dis, nous choisi comme premier ministre Ariel Henry te dit, et bandit, pas qu'à bail vivre ensemble, bandit, pas qu'à vivre ensemble, dans nous tout groupe armé, dans nous tout quartier populaire, dans nous tout le monde, y a marginalisé qui a vu mal. Je dis, nous annoncer que vivre ensemble, nous retourner. Et bataille ça qui déclenche là, nous voulons que les peuples haïtiens connaissent. Nous connaissons nous souffrir en pile. Nous connaissons un paquet de bagages qui arrivent, qui ne font pas nous plaisir. Mais je dis, il faut que nous apprenions à pardonner l'autre. Nous venons au carrefour pour nous réconcilier avec propre tête. Nous. C'est peut-être ça nous-mêmes qui avons des armes. Nous choisissons, prenons destin nous en main. Bataille ça nous mené non seulement son bataille qui prend le cap, qui là pour capoter le gouvernement rien en rien, c'est prendre une bataille. Qui va changer tout le système là. Système qui est son petit groupe, on j'aime toujours dire là, qui a toute richesse pays à nous. Mais pour nous aller droit dans sa affaire, le premier objectif de bataille noire, c'est assurer nous que le gouvernement rien en rien n'est pas sous pouvoir encore. Et que n'importe façon, nous-mêmes, tout le net en général, quel est le groupe armé qui est dans la ville provinciale, quel est le groupe armé qui est dans la capitale, je dis à nous faire un seul. Nous c'est moi qui parle pour tout groupe armé, ça veut dire pas ni Genève, pas ni GPEP, qui vivre ensemble. Nous annoncer que peuple haïtien, s'il vous plaît, bataille ça et bataille nous lié. Souvent toujours dit comme ça que c'est bandit qui empêche nous prendre la rue pour nous manifester. Nous souhaitons après conférence de presse ça même pour peuple prendre la rue. Il y a plus passé 200 heures faire violence sur nous. Je dis à un moment arrivé nous même pour nous faire légitime violence. Prendre la rue avec tout ça nous gagne. N'a demandé police nationale d'Haïti. Je demande avec l'armée d'Haïti. Monsieur policier, regardez qui côté nous sorti. Puis fort dans nous, regardez qui côté nous sorti. 95% des policiers qui sont dans la police, là, c'est dans le quartier populaire. Il y a des gens qui sont mal nous sorti. Je dis, les peuples prennent le pour prendre la rue parce que Grand Avenue prend le sorti. Village de Diab sorti. Badelma sorti. La Saline prend le sorti. Belle prend le sorti. Les tout pays, les cités soleil prennent la rue. Les La Plaine prennent la rue. N'a demandé police nationale d'Haïti s'il vous plaît rejoignez le peuple là parce que plus nous avons violent envers peuple là c'est plus violence là à retourner venir joindre nous plus nous faisons violence sur peuple là c'est plus nous allons encourager peuple à faire violence sur nous moi même en tant que policier j'ai fait 14 ans à porter uniforme ça je dis à demander nous la guerre à Ariel si boss qui n'a pouvoir qu'a ba nous l'argent qu'a ba nous quelques privilèges Ariel Henry va tomber boss ça pas qu'a faire rien pour nous et n'a toujours dans mitan peuple là s'il vous plaît encouragez mouvement ça pas occuper moun qui va venir détruire nous qui va dire c'est derrière l'argent nous pas occuper moun qui va venir détruire nous qui va dire c'est cob nous besoin qui fait nous prendre la rue gouvernement va voir cob ba nous après ça pour mouvement casser si nous même qui gen zam jodi a nous camper nous prend la rue si peuple a pas suivre nous ka fait 11 semaines nous ka fait 2 semaines a promet mais mouvement a cassé laisse ça moun bal dit c'est l'argent nous gen nan men nous c'est cob yo voye ba nous qui fait que nous prend la rue nous dans la rue pour tout bon pas gen Genève pas gen GPEP nous lancer opération chercher munitions côté yoé nous lancer opération chercher France LB côté lié a marel à toute munitions pour voyer au bay Ariel Henry. On fasse au pari, on pas rentré dans le pays. Jean le passé, fok pep sa libéré avec Zam nou, avec pep haïtien, n'a pas libéré le pays. C'est autre chose. C'est tout leader communautaire, c'est tout bloc, c'est tout gouvernement qui prend sous responsabilité nous, mouvement sa ka fait là. Et peut-être seulement des peuples, nous avons dans l'arrière, les nous enèga Zam nou, pas besoin de courir. Zam yo, jodian, a viré sous vrai ennemi nous. Jodian, Zam nan pas pour moun qui nan quartier populaire. Jodi an zam nan pa pou moun si machin nan ba la ville nan. Jodi an n'ap déchouqué Ariel, n'ap déchouqué politicien senti yo. Après ça pour nous passer prend oligarque corrompu yo et puis pour nous aller faire un lot Haïti, un Haïti réel, un Haïti qui gen travail, un Haïti qui gen manger, un Haïti côté que nous tout nous fiers pour nous dire que nous c'est haïtien. Pourquoi moi annoncer mode bataille ça yo? C'est parce que l'autre groupe armé yo nous prend contact, nous chita, nous parler, nous discuter et puis yo dit tant qu'on matin pas venir là pour propre tête moi. Nous venons dans tout groupe armé. C'est tout groupe armé qui m'a dit pour me faire conférence de presse pour nous annoncer peuple là, les nous voyons pas courir, puis gars nous peur. Et que série de bagages qui pour nous faire, les fin jeter Ariel Henry, les fin capoter système ça nous pas là, yo pas arranger pour mode bagage ça pas répéter dans société. Nous connaissons plusieurs zones.
et autant de bon pas connait non est-ce que c'est comment de barbecue pour elle pas connait seulement faut que nous rappeler barbecue on tendez ça déjà faut que nous rappeler monsieur avec propre bouche il lancer bataille déjà prend la rue avec pile nèg exam manchette vous comprenez moi je dis révolution commencé je prends la rue déjà monsieur dit nous même quoi dès que ça déjà qu'elle pourra mener bataille bataille il pourra mener son bataille pour la révolution. Nous pressons ça déjà, nous ouais ça déjà, nous entendons déjà. Est-ce que fois ça, c'est pas une bataille tout bon? Moi, je suis très sceptique, j'ai un peu de doute. Parce que le moment où je songe, modèle action qu'on a posé, le moment où je songe, ça n'est que ça fait déjà dans le pays, le moment où je songe, toute action malhonnête n'est que ça pas de jambes suspendues dans le pays. Et jusqu'à ce moment-là, parce que où doit mener bataille. Je dis là et un commissariat, c'est vous peuple allié, pas vrai? Si vous mener bataille contre bourgeois, contre vagabond, contre politicien. Ou pas capable rentrer au boulon série de commissariat, non seulement boule commissariat ou tous les policiers, non seulement tous les policiers, mais il y a plusieurs membres de la population qui vivent victimes, population civile là, population mandé pour accompagner dans bataille là, lui même encore à touiller. Bon mal donne. Manque comprendre. OK, pendant ce temps, André Michel libé. Il fonctionnait Jean Delzil, il marchait côté le Jean Vlet, l'elle Vlet. Et bien dit n'a mené bataille, et bien dit n'a fait révolution, pour ça les petits peuples a toujours mouri. Hein? Même garde quantité monde qui a quitté la caillou, zone bas peu de choses qui a couru dans toute direction. Et pas même gonne côté pour aller. Malette yo sous tête yo. Et il a yo fusillé deux petits marchands. Yo dit c'est dans zone 5 coin qui dans ruelle vague là. Yo touyé deux petits marchands ça yo. Hein? Ça c'est révolution, hein? C'est résultat bataille là ça. Avec qui est-ce nous t'a goumé? Qui est-ce nous t'a gagné en face? Si nous besoin en face nous connait côté pour aller monsieur. Nous pour aller dans palais national. Nous pour tenter pour palais. Nous pour tenter pour une série de commissariat là n'a pas en face. OK? Mais le imaginez, n'a fait zone pas peu de choses et puis coup de balle à boucanter, c'est moun n'a vie d'ater, c'est population civile là qui toujours victime. Elle est toujours victime d'ailleurs. OK? Mbal faut attendre dans bon repos parce que nèg yo entré dans plusieurs commissariats yo boulé yo. Ni commissariat bon repos a, nèg yo rentré, nèg yo metté du feu et yo t'a dit, yo dit t'a semblé gagner n'importe 3 policiers mourir, gagner 2 policiers là-dedans. Mbal faut attendre audio, mbal faut attendre voix yon policier, yon nan sa ki mouri yo. Yo dit c'est 2 qui mouri dans bon repos. Côté y a mandé backup, côté y a mandé renfort. Mais ouais nan baï ça. On baï ki triste. Ouais, mesdames yo mouri. Ou bien policier ça ou mouri gen un policier garçon tout qui a plein qui a dit lui-même li pou un balle dans pied puis a fait le mal etc. cetera mbrazo m'a regardé une série de commentaires m'a regardé une série de messages moun a véhiculé côté moun yo dit ah et comme si me saisi oui moi nèg a mandé renfort etc. et gaz yo fini parce que pas oublier non le comportement de la police ces derniers jours pas oublier comportement de la police dans dernier temps ça c'est un comportement qui laissait à désirer. Côté population a questionné sérieusement le comportement de la police. Parce que chaque fois que le peuple a manifesté, la police baille gaz, la police baille balle. Et mais je dis là, regardez sérénade bandio. Je dis là, la police n'a pas de café face ensemble avec bandio. La police était impuissante face à l'assaut bandio. Son question de dents pourri, il y a force sous bon ennemi. La police c'est sous population, il y a force tende. Moi, il faut tende et audio, policier, ça y a eu que plein. Par rapport avec situation difficile yo t'ap konnen nan commissariat bon repos en suiv. Et puis l'autre bagay pour konnen André Michel lui-même qui c'est ti bobo pouvoir André Michel pas suspend prouver loyauté je dirais bien monsieur pas suspend exprimer loyauté ak Ariel Henry monsieur encore une fois exprimer et positionner. Elle pouvait acclair lui dit lui-même l'a toujours continué et camper derrière Ariel parce que Ariel annonce qu'il va faire élection. Ariel dit maintenant qu'il date il va faire élection et mais André Michel qui t'a participé dans panel magique monsieur parler monsieur bail position vous comprenez monsieur exprimer position et monsieur dit position gagne c'est position Ariel Henry et c'est position tout t'est toujours gagné. Il y a Goumé pour force multinationale la débarquer là pour kembe pouvoir ça fait élection 2025 autant de dit à son mentilier. Pas j'aime gagner élection vraie avec équipe ça au pouvoir donc c'est chambardement total qui vous faites parce que équipe qui là
pas témoigné, ni pas manifesté aucune volonté pour retirer pays à côté de lui là. Moi invite autant de André Michel cap défendre Ariel, cap défendre patron lui dans international là. On reprend mais comme si cap boucher genou tout, cap faire comprendre, il y a une bonne volonté gouvernement et a travaille pour peuple, action gouvernement poser ses actions pour peuple. Tant que moi m'a envoyé pas en Haïti dans vivre ou bien même sous pas vivre en Haïti tant que écarté de réalité là c'est comme si pas comprendre ça qu'a fait là c'est comme si jeu politique là pas comprendre ni même gens ça qu'a fait dans la rue là bandi qui prend la rue là bandi a manifesté bandi a gros âme dans mais etc comme si nous maintenant tête nous bataille qu'a fait là c'est contre Ariel même jusqu'à ce que nèg yo prouve le contraire moi m'a toujours dit ça bataille qu'a fait là il pas une bataille contre Ariel au contraire son bataille qui visait consolider Ariel Henry au pouvoir en suivant ensemble les déclarations de maître André Michel. Question à nos premiers ministres. Nous avons le plaisir pour nous recevoir sur l'antenne, nous, André Michel, signataire accord 21 décembre, leader SDP. Maître André Michel, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Premier ministre Ariel Henry, il prend engagement pour lui organiser l'élection au plus tard le 31 août 2025. Qui ça pour mettre ça et vous, Maître André Michel? Bon. Et nous, tout le monde connaît, nous avons le sommet de la Californie du 25 février au 28 février. Et gagné non seulement les chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM, mais également les invités, les amis d'Haïti, la France, le Canada, les États-Unis, le Brésil. Je crois que le président Lula était là en personne. Bon, et moi, je crois que la date qui se dit dans la discussion, la date du 31 août 2025, pour l'organisation des élections, ou moi-même, en compréhension personnelle, c'est une date raisonnable, dans la mesure où les élections ne se décrètent pas. On ne décrète pas les élections, il y a tout un processus, il faut qu'on monte un CEP crédible, pas contesté, il faut qu'on fasse un gouvernement d'unité nationale, comme nous l'avons toujours proposé, pour garantir la confiance des acteurs politiques et de la population dans le processus. Et dans plus d'âge, vous faites pour causer à ces causes sécuritaires, parce que c'est ça que l'élection n'est pas possible en 2022, n'est pas possible en 2023, avec la situation sécuritaire catastrophique du pays. N'importe quelle élection qui fait 2022-2023, c'est pour gagner ou faire. Heureusement, il y a une force internationale qui arrive, le processus est en train de se mettre en place, et moi, je crois que le ministre actuellement est déjà Kenya, d'après l'image du réunion blanc, et ces questions-là qui sont à l'ordre du jour. La communauté internationale a prêté les bouchées doubles et le Bénin proposait 2000 mondes qui pouvaient renforcer poste de sécurité à la police là. Bref, il y a des efforts qu'a fait sur question sécurité là et j'espère dans un avenir pas trop lointain, le premier contingent sera en Haïti pour aider la PNH et toute notre bouclier au Bénin. Nous connaissons tout pour gagner en réforme constitutionnelle, en révision constitutionnelle. Et ensuite, on allait dans la question organisation d'élection. Pour nous, c'est un délai raisonnable. Maintenant, et maintenant Michel, qui j'en ou est organisation d'élection au plus tard, et 31 août 2025, avec tout le monde et toute partie politique, yo, ou bien avec ça que vous voulez? Bon, moi-même, ça m'a pas dit, c'est que le premier ministre, après 2 ans, le premier ministre en fait la tonne, l'autre acteur sur les civils, l'autre acteur politique, gampine qui finit, mais bon, bonne qui passe. Aujourd'hui encore, et surtout au sommet de la CARICOM, le premier ministre a tendu la main à ses opposants, à ses contradicteurs. On a espéré que cette fois-ci, ils vont saisir la main tendue du premier ministre. Ils vont saisir la main tendue du premier ministre, parce que si vous comprenez bien, ça supposé on le round de discussion qui commençait le plus vite possible. Et si on parle... parler à tous les ministres, on va parler avec un dirigeant CARICOM, la compréhension par eux, il faut pousser pour cette entente. Et si pas une entente? Bon, je l'espère que n'a besoin d'entente. Et si pas taille? N'a besoin d'entente là pour nous faire célébrer ensemble, pour montrer le gouvernement unité nationale ensemble, pour nous cheminer ensemble dans les élections. Et pour une population, possibilité pour choisir qui est qui doit venir diriger. Je ne veux pas opiner sous hypothèse pour Météa, parce que c'est très malheureux pour le pays,
Parce qu'à mon avis, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre choix. C'est le dialogue qu'il faut engager avec le Premier ministre Ariel Henry et trouver cette entente nécessaire et au rétablissement des institutions démocratiques. Au moins, c'est la seule voie qui existe. Heureusement, il y a cette force internationale qui est en train de se mettre en place, qui va arriver très bientôt. Le SDP supporte cette force, parce que pour nous, pas dans notre porte de sortie. Et si on ouvre les moments des populations en salle pensée, 90% de mon abdo, élection pas possible 2022, élection pas possible 2023 sans cette force. Et aujourd'hui, il faut cette force, non seulement pour les élections, mais pour la vie capable de reprendre dans le pays, pour être capable de circuler dans le pays, pour tout le monde capable de retourner dans l'activité au concret. Alors, j'espère que les amis de l'opposition vont enfin saisir cette main tendue du Premier ministre pour que nous puissions aller de l'avant ensemble. Et si le parti politique nous va discuter avec eux, ils ont même demandé pour nous faire élection en plus bonheur que avant, pour faire élection avant 31 août 2025. Belle question. Bon, moi je pense que date 31 août 2025 pour élection, hein, c'est pour une date qui est financière. Et tu gagnes des chefs d'État et du gouvernement, tu gagnes des analyses, faites des calculs, qui analysent les situations en l'État, qui analyse les différentes étapes à prendre, à parcourir pour arriver à l'organisation des élections, ce qui est la sécurité, le gouvernement, qui est en sécurité, réforme constitutionnelle, ensuite élection, et ça crée au bail d'attal, pas tomber du ciel. Mais de toute façon, comme ce sont les parties prenantes qui vont décider ensemble, eh bien, nous attendons un soir de discussion avec les parties prenantes, et de notre côté, on est disposé pour écouter, pour cheminer avec les autres, parce que le plus important, c'est que personne ne monte pas d'intérêt pour amener Haïti non processus électoral qui est controversé à l'avance. Nous tous nous avons intérêt pour nous faire une élection côté population en participer, acteurs politiques en participer, société civile participer, diaspora en participation. C'est ce que je souhaite pour mon pays en ce qui me concerne. Merci beaucoup, André Michel. Bonne journée. Et c'est un pouvoir tellement fort dans faire répression. Quel que soit moun actuellement là de pour camp en face pouvoir ça. Quel que soit moun là pour dire un bagaille à l'encontre de pouvoir ça et mourir pour mourir frère. Ouais ça nèg yo fait monseigneur Dumas. Nèg yo manqué touyer monseigneur oui frère. Nèg yo manqué touyer monseigneur Rodrigue Dumas. Parce que tout simplement on connaît monsieur lui-même il gain position politique li. OK. Eh ben quand ça va mal, monsieur pas jamais mettre et monsieur pas mettre de l'eau dans bouche li, monsieur toujours parler, monsieur toujours bay position pâle par rapport avec ça qui passe dans pays là. Et ben drôlement, gon explosion qui fait dans la caille monsieur, dans caille côté monsieur hier. Il y a un prêtre qui t'a parlé qui dit il t'a loué monseigneur. Et il dit ça avec amertume, le cœur lourd, le cœur déchiré. L'a regardé Rodrigue Dumas. Il dit ça fait la peine. Moi invite autant d'il. T'as visité monseigneur Dumas. Il est mal loin, monseigneur Dumas. Avec un cœur déchiré. J'ai vu des yeux fatigués, mais lumineux. Moi, des yeux fatigués, mais remplis avec lumière. Qui n'ont pas perdu encore l'espérance. J'ai vu un corps mutilé. Lapidé, au corps qui déchirait avec malin. Il portait les blessures, les souffrances du peuple haïtien. Mais avec un regard de force, de courage, de détermination, en tant que ministre d'église, qui boulait dans toute colle, pour un peuple à défendre, pour manquer assassinel. Col brisé. It is not the beautiful, the handsome monseigneur Dumas that you knew. C'est pas bel visage monseigneur Dumas encore. Il perd d'huile. Parce que la lutte pour un peuple. Un peuple qui a souffert aujourd'hui. Mais ouais, un corps qui lapidé. Mais une voix qui continue à crier justice. Pour ce peuple méprisé, marginalisé, exploité et terrassé.
C'est ça que moi, malgré qu'on a crasé, je sentis la goumé toujours. Je ne peux pas abandonner, même jusqu'à la mort. Even to death, I will not give up to stand up for peace in Haiti and for a solution to the crisis of the country. Je ne peux pas abandonner, lutte pour la paix, lutte pour une solution à la crise de mon pays. Je n'abandonnerai pas mon étoile. Ma potelle sur mon secœur jusqu'à la rencontre avec le Père. Je dis à nous-mêmes comme chrétiens, comme baptisés, nous-mêmes peuple haïtien, l'heure est à la lutte, l'heure est à l'engagement, l'heure est à la transfiguration. Je dis en pile de nous, comme ministres d'église, comme des citoyens, comme des leaders de notre pays, nous restons les bras croisés face à une situation dont le peuple continue de s'ouvrir. We don't say anything. We don't do anything. Mais où est tout ça qui a passé là? Tant que nous avons toujours dit, Haïti n'est pas aussi pauvre que je ne pense là. Haïti pas ta mérité niveau nous mettez là, niveau nèg yo mettez là. Non, c'est sérieux. Nous travaillons pour nous battre dans niveau ça. Nous travaillons pour nous pas traîner comme ça. Nous travaillons pour nous battre dans quelques camionnettes là dans niveau nous là. L'autre nation reconnaît ça. L'autre nation reconnaît valeur nous. Yo reconnaît force nous, yo reconnaît capacité nous, yo connaît ça nouveau, yo connaît ça n'ka faire. On va le faut tendre 11 amis. Et dans les Caraïbes, qui a parlé, qui a expliqué le niveau de connaissance qu'il a gagné par rapport avec Haïti, richesse qu'il dit Haïti possédé. Je lui ai dit niveau richesse Haïti, il dit Haïti plus riche dans toute Amérique. Dans l'Amérique du Sud, là, je lui ai dit. Bon, Haïti n'a pas fait partie de l'Amérique du Sud, donc il dit dans l'Amérique, là, Haïti plus riche. En plus, il faut en avoir dit, est-ce que ça est vrai? En ville fois nous nous demandé qui vérité gain dans ça. Et je sais pas une façon pour encourager nous. Mais écoutez, nous c'est pas premier monde qui dit. Mais c'est pas premier monde qui fait nous connaître maintenant qui niveau richesse nous y est, nous c'est pas premier monde qui fait nous connaître, nous c'est un phare, nous c'est pas premier monde qui fait nous connaître. Nous c'est un exemple pour l'humanité. Moi invite au suivre déclaration. OK, on suit ensemble avec attention. Donc environ 2 minutes, quand monsieur a parlé de richesse Haïti, de pétrole Haïti gagné, de sa Haïti possédé. Et pourtant, regardez l'état nous, regardez dans qui ça nous est. Nous avons un peuple qui n'a pas à manger, nous qui n'a pas à boire, qui n'a pas à route, qui n'a pas à la cap du même, il a passé 8 mois, il a passé 7 mois, il a passé 6 mois, ça que le courant EDAG n'a pas tombé sous lui du tout. Et nous avons toute richesse ça. Mais vite autant des amis. Haïti est le pays le plus riche de toute l'Amérique du Sud. Vous savez qu'il y a du pétrole en Haïti. Vous savez qu'il y a de l'or. Vous savez qu'il y a du diamant. L'iridium, qui est un métal qu'on utilise pour envoyer les fusées dans l'espace. Haïti n'a pas un problème de pauvre. Haïti a un problème de riche. Vous comprenez l'affaire? C'est pas un problème de pauvre, c'est un problème de riche. Est-ce que le gisement de pétrole en Haïti est supérieur à celui du Venezuela? Et c'est simplement maintenant que les Haïtiens percutent au fait que même certains gouvernants haïtiens ont avoué que même le FMI a déjà signé des contrats pour exploiter ces richesses-là. La chose maintenant, c'est que si nous avions cette volonté de puissance, nous aurions pu intervenir dans ce jeu. Est-ce que vous voyez l'affaire? En apportant de l'engineering, en apportant de la réflexion, en apportant même ne serait-ce que des discussions autour de ces thèmes-là. Mais la chose, c'est qu'on s'enferme dans des histoires d'esclavage et autres, alors que le problème de fond, c'est que nous avons des richesses inestimables que les autres voient, mais que nous, on ne voit pas même dans notre subconscient et nos inconscients. Donc tout ça doit montrer qu'il y a en fait un effort de projection de nous-mêmes que nous devons faire dans l'avenir, de manière à faire en sorte que nous puissions nous, tout simplement, nous arrimer à cette projection. C'est-à-dire, si dans l'avenir on se voit grand, vous allez voir que nous allons agir de manière à aller vers cette grandeur. Mais si dans l'avenir on se voit mendiant au bord de la route, eh bien, on est en train de prendre le chemin de la mendicité. C'est-à-dire, c'est cette projection qui va nous fixer le cap collectif. Et ça, c'est important de décider une bonne fois pour toutes comment on se projette dans l'avenir.
Et ça, c'est pas simplement un problème haïtien, ça nous concerne tous. Exactement. Vous voyez, et ça, c'est important. Et à profiter de tout ça, yo, moi, espérer vraiment ou tirer conclusion par où et ou comprendre jodi a. Yo coller une étiquette dans dos nous pour faire nous connaître. Nous c'est pays qui plus pauvre dans monde là. Nous c'est pays qui pauvre dans Amérique là, nous c'est pays qui pauvre dans monde là, mais pourtant nous tout nous connaît. Ça n'a rien à voir avec la vérité. Nous tout nous connaît, tout ça qu'ap dit là, c'est pour rabaisser nous, c'est pour montrer nous pas rien du tout. Nous ca pauvres, c'est vrai, mais niveau pauvreté a vendre nous. Et pas vrai, nous pas arrivé là. Niveau pauvreté, non niveau y a dit Haïti pauvre là, et pas vrai. Si nous t'es aussi pauvre, m'pa quoi, yo t'a manifesté tout intérêt ça yo. Yo va t'a montrer yo rien mon niveau ça, c'est parce qu'on gon bagaille au ca offri, c'est parce qu'on gon bagaille là. Nous prenons tout pour égaré, nous prenons tout pour imbécile. C'est comme si nous pas gain capacité, nous pas gain niveau pour nous comprendre. Yo vend nous on image, y a vend nous une identité de nous qui pas aucun rapport du tout avec nous. Identité à 22 Haïti, ça y a dit de nous, il va jamais vrai non. Il va sembler nous non. Il va nous pas gagner pour avec le vrai non. Je dis à la nèg gon objectif pour somaliser Haïti. Réduire nous, reprendre, il y a pays en Afrique là, il va yo baio kounya. Ti moun 10 ans, 12 ans avec gros âme nan men yo. Et pas pour dire Haïti 9 mm, et pas ça yo non. Gros âme, gros gol nan men yo. Gros guitare. Et c'est ça oui, c'est plan ça même blanc pour oui. Et dans niveau ça même livre réduit oui. À pays africain ouais pour aller venir là. C'est comme si ce niveau de formation ça même pour aller inculquer. C'est ça même pour aller instaurer dans société ah oui. Pour somaliser nous. Oui. Et déconnecter ensemble avec nous mesdames messieurs. Haïti réflexion c'est nos channel là. Nous te prend plaisir partager avec vous nos informations et j'en nous dis où nous pas connaît côté m'a parler voilà comment situation li même lié. Mais yon nan bagay ou dwe konnen, si toutefois sa nèg yo di yo y a fè le vrai, si toutefois nèg yo yo respecte tout sa yo di, jou k ap vin la yo bagay la sombre en pile. Et c'est une raison que faire conseil de leader politique, moi même yon nan conseil peut-être nta ba yo c'est ta et pigayo pral prend mouvement ça k ap fè la pour profiter parce que ouais l'autre de ces bandits k ap manifester, ces bandits prend la rue, bandi a gon l'autre motivation. Motivation bandia ka différente de pas politiciens yo. Bon, de toute façon nous même qui ça n'attend, qui ça nous besoin. Tout monde qui a dit y a chambre de système, n'a chavier système, nous connaissons li ka bon pour Haïti. Seulement nous pas souhaiter pour nèg yo continuer rouler nous dans farine, j'ai yon habitué fèl parce que pendant plusieurs fois nèg yo rouler nous dans farine. Vous comprenez? Pendant plusieurs fois nèg yo dit nous, yo va le poser une série de actions. Pendant plusieurs fois nèg yo dit nous, yo va le goumer, yo va le travailler. Yo pas le chamba de système, mais le nous garder système dans style toujours été là, vitam eternam. D'ailleurs, nèg sa yo se produit système là. Comment yo pral faire pour éradiquer système là? C'est un coup yo pral travailler contre propre tête yo. Si pas de système ça yo, même yo pas tap exister. Et yo connait ça, yo conscient de ça. Yo connait c'est grâce à ce système là qui fait aussi fort gens yo là. Système là fortifier yo, système là renforcer yo, système là rendre yo riche. Ou pensez nèg y a jamais gen volonté pour détruire système ça vrai? Ce système n'a mettez au camp côté yo yari. Y en a qui dit même c'est grâce à tel pouvoir, c'est grâce à PHT qui mettez au côté yo yari, qui fait au moun yo yari. Et puis quand yo pense même moun sa yo pral goumen. Et déconnecté ensemble avec nous mesdames messieurs. Et songe gon paquet élèves qui t'étaient fermés dans l'école, nous pas connait est-ce que yo rivé libéré, nous pas connait est-ce que yo sorti, est-ce que yo allé, mais gon paquet élèves, m'a regardé ti moun ki ndé gaten ki en baban. C'est un bagage tête chargé. Bye bye tout moun. N'a croiser prochainement pour une autre vidéo.